Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Dites-moi mes frères et sœurs, si quelqu'un meurt, est-ce que les ennemis à cette personne peuvent-ils continuer à parler de cette personne en mal? Dites-moi. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vous explique. Le 12 août dernier, il y a eu des problèmes. En fait, une star ici a eu un accident. Et après son accident, le 12, en fait, cette star a eu un accident le 11 et le 12, on nous a annoncé son décès. Et beaucoup de choses sont passées sur le net. On a vu tout ça jusqu'à son enterrement. Et il y a eu un tas de choses. Cette personne a été profanée. La tombe a été profanée, tout ça. Bon. Je n'ai même pas envie d'en parler. Mais vous savez ce qui s'est passé. Ces temps-ci, il y a un sérieux problème entre les fans à cette star-là et ses collègues. Ou encore les gens avec qui cette star était en conflit avant son départ. Les fans pensent que les gens qui étaient en conflit avec, avant son départ-là, ces personnes sont censées être toujours en conflit avec cette star. Et apparemment, les fans veulent fermer ces gens qui sont restés là. Et ces gens qui sont restés là sont aussi des stars. Ces stars-là, elles aussi, pour se défendre, elles viennent sur les réseaux sociaux pour essayer de répondre des accusations qui sont faites à leur encontre. Maintenant, pour se défendre, pour bien se défendre, il y a une star récemment qui a parlé et qui a dit tout simplement que dans leur game là, il n'y a pas de Jésus là-bas. Donc, on ne peut pas traiter quelqu'un de Juda. Parce que les gens étaient en train de dire que telle personne est Juda, ceci et cela. Et cette star accusée a tout simplement levé le voile pour dire, mais vous dites que telle personne ici est Juda. Si telle personne est Juda, qui est donc Jésus ici? Qui est Jésus? Parce que ne me dites pas que cette star qui a disparu le 12 là, elle est Jésus. Non, 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 non. Parce que vous êtes en train de nous accuser d'avoir fait telle chose et telle chose, peut-être pour écouter vos stars. Mais ce que vous oubliez, c'est que vos stars aussi a fait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Elle n'était pas parfaite. Donc pourquoi nous accuser, nous qui sommes restés? Il est préférable de nous aimer, nous qui sommes restés, nous les vivants. Et cette personne-là même a commencé à parler un peu des choses négatives que cette star a produites avant de partir. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire quoi? Cette personne a parlé un peu de cette star, comment cette star avait eu des problèmes avec ses collègues, comment cette star aussi parlait sur les réseaux sociaux qu'elle a eu à accoucher avec les femmes à ses collègues, en fait ses relations amoureuses. Comment c'est ça? Si, sur votre détail, vous-même, vous serez même dépassé. Ah! Et ce dernier n'a pas manqué de dire que dans la vie, quand on cherche la femme des gens, il y a beaucoup de malheurs qu'on s'attire. Et ce dernier a profité de cette belle opportunité pour demander à tout le monde de garder le cap, mais de ne pas chercher à boycotter ceux qui sont vivants. Mais les propos de cette personne n'ont pas été digérés par les fans à cette star qui a disparu le 12. Et les fans ont commencé à parler et même dire que voici ton ami est parti. Et toi, tu te mets à juste parler sur son corps. Le corps qui ne peut même pas répondre. Toi, tu parles sur le corps. Ah! Et sur les réseaux sociaux, les gens sont en train d'engueuler cette star qui a parlé ainsi en dénonçant les mauvais trucs. C'est ça qui a disparu, tout ça. C'est pourquoi nous posons cette question, ça, mais si c'est vous et que vous avez, est-ce que, et que vous avez un parent qui n'est plus, et qu'un jour les ennemis à vos parents viennent se mettre à parler mal de cette personne, quelle serait votre réaction? Sans doute, c'est vrai, vous allez forcément réagir, histoire de dire, mais pourquoi tu veux parler sur une personne qui est déjà partie? Pourquoi tu veux dire que cette personne t'a fait ceci, a fait cela? Oh, cette personne, le cadavre ne peut pas répondre. Le cadavre ne peut pas parler.
Moi, je préfère même dire même que quand une personne est décédée là, il faut juste oublier l'affaire. Parce que même la disparition tragique de cet instant-là, c'était pas du tout joli. Donc, la maladie cet instant-là est partie comme ça brusquement. Les gens même n'ont pas encore digéré tout ça. Je pense qu'on ne devait même pas la terre. Mais le problème, c'est que les fans aussi sont tentés de peut-être pousser le boulot un peu plus loin. Ce qui pousse certaines personnes à répondre bizarrement. Il faut calmer le game. Il faut arriver à calmer le jeu. Il est préférable. En ce moment même, d'autres personnes cherchent à faire une statue pour honorer ces stars. Genre une statue qu'on va déposer au bon milieu, peut-être de la route ou bien... Ah! Une statue! Vous savez comment les gens sont fans. Vous allez aller déposer une statue là-bas. Qu'est-ce que les gens vont faire maintenant? C'est maintenant devenu idolâtre. C'est pour aller même adorer la statue. Même se posséder devant la statue. Certains vont aller même prier même sur la statue. Il y aura trop de vilaines choses qui vont se passer après. Ça là, on n'est pas du temps. Il faut arrêter ça maintenant. L'argent que vous allez utiliser pour aller faire la statue là, l'argent qu'on fait ici. Regardez, il y a même plein de fous qui ont besoin de manger. Aider ces personnes là. Peut-être qu'il y a un problème ici, le problème encore se réveille là-bas et on ne sait même plus ce qui se passe. On ne sait même plus ce qui s'est passé. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous au courant de cette affaire? Les gens, d'autres côtés aussi, d'autres personnes sont dit que si cette star a disparu de façon brusque, c'est parce qu'elle avait un lien avec des parties occultes. Ah, tout le monde parle. Oh, elle est déjà partie. Elle ne peut plus répondre à ça. Mais ce qu'elle suit, c'est que de son vivant, elle a parlé un peu de ça. Elle disait qu'on l'accuse de tout et de rien, on dit qu'elle est sataniste, tout. Et qu'elle, elle adore Dieu, ceci, cela. Mais le problème aussi, là, c'est que ce que les gens disent dans leur bouche, c'est pas ce qu'ils font. Tu peux nous parler ici à nous tous. Tu peux par exemple dire que toi, tu es devenu chrétien, tu suis Jésus. Tu peux même changer ton nom. Tu vas dire par exemple que tu t'appelles Article 32, verset 7. Mais tes œuvres en disent le contraire. Parce que dans tes vidéos, dans tes clips, il y a tant de choses qui nous montrent que tu as un lien avec une force négative. Un esprit qui veut juste corrompre les âmes des gens. Parce que dans tes clips, on ne fait que parler de femmes, comment il faut avoir plusieurs copines. Quand on te dit que quand tu as une seule copine, c'est pas bon, il faut avoir plusieurs copines. Dans les clips, on te dit qu'il faut avoir un sexe qui quitte ici pour quitter là-bas, qui va là-bas. Les gens ne font que parler du sexe, même sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, les gens ne font que parler de tout et n'importe quoi. C'est devenu la mode. La pornographie aussi a été fait son travail. Et le diable a été utilisé les stars pour pouvoir détruire l'âme des jeunes, l'esprit des jeunes. Et quand les gens regardent tes yeux, ils se disent, mais comment peux-tu nous dire que toi, tu es Jésus, alors que toi aussi, tu as fait tout et n'importe quoi de tes clips. Tu as fait tout ce qui est mauvais. Et tu n'as pas cherché à corriger tous tes problèmes, toutes tes choses avant de partir. La mort t'a surpris comme ça. Boum. Il y a plein de personnes qui voulaient parler de Jésus-Christ. Ces personnes-là disent, ah, vous savez, Jésus-Christ, il va revenir, mais depuis, il n'est pas encore venu. C'est que si on a compris, laisse-nous faire ce qu'on a envie de faire. Et après, quand on aura tel âge, peut-être 35 ans, là, on va décider d'aller à l'église ou de donner nos vies à Dieu. Mais la mort peut te surprendre avant. Tu dois savoir que quand tu as un tel projet dans ton cœur et que tu veux vraiment venir vers Dieu, abandonner le diable pour venir vers Dieu, le diable, il est au courant, il ne va pas te laisser. Il va même te surprendre. Avant que le temps n'arrive, il va te surprendre. Et tu ne vas même pas te laisser l'opportunité de pouvoir te repentir. Dites-moi, voici un peu ce qui se passe au sujet de cette table. Voici ce qui fait encore le buzz. Les gens sur les réseaux sociaux sont en train de juste créer des tensions afin de pouvoir parler, se faire un peu voir. Les gens utilisent son nom pour
fait tout et n'importe quoi. Comme elle-même, c'est elle survivant. Elle aussi, c'est elle aussi qui faisait ça. Elle envoyait même le jeu. Donc, ça semble être très doux dans la bouche des gens. Et les gens continuent. Nous ne voulons pas de mort encore. Nous voulons que tout le monde soit calme. Sachez ce que vous faites.